Donc le principe de l'essai de cisaillement, c'est de réaliser, par l'intermédiaire d'une force de cisaillement, de mesurer la résistance en fait au cisaillement. Donc on va provoquer une force, on va provoquer une... À vue. Une pour arbuste, zéro pour herbe. Ça, je voulais partir à la fin, je comprends pas si tu reviens. On va présenter l'échelle locale. Donc c'est intéressant parce qu'on a une évolution au cours du temps de données. Donc ça, c'est plutôt le recueil de données existantes. Et puis, on a l'historique de l'implantation. C'est des graines qu'on revend à un semencier qui servent à faire des couverts.